La flaque. Édition du 19 septembre 2024. Et voici votre animateur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Si vous voyez cette vidéo, si vous voyez le commencement de la vidéo, maintenant là, alors que ce que vous avez vu, c'est le générique de l'émission québécoise « Et Dieu créa la flaque ». Et maintenant, là, comme vous pouvez voir, l'émission québécoise « Et Dieu créa la flaque » a eu 20 ans cette année. Et maintenant, je vais vous parler de l'émission « Et Dieu créa la flaque ». Bref, cette émission a été construite par le fameux créateur québécois Serge Chapleau. Avant, l'émission « Et Dieu créa la flaque » avait commencé dans les années 80 sur le nom d'une émission qui a joué avant sur Télé-Québec qui s'appelle « Casse-tête », auquel où les personnages de « Et Dieu créa la flaque » sont en effet des marionnettes. Puis là, après, au moment, le 19 septembre 2004, Serge Chapleau avait commencé la diffusion de la fameuse émission « Et Dieu créa la flaque ». Donc, maintenant, l'émission est en animation 3D et les personnages sont faits avec les personnages qui sont créés, sont des marionnettes en latex. Puis après, ils les ont fait animer avec les ordinateurs. Que les personnages sont en 3D par les marionnettes latex. Le genre d'émission, c'est quoi? Et Dieu créa la flaque. Le concept de l'émission, c'est une parodie du téléjournal. Ouais, une parodie des téléjournaux. Et en plus, c'est la meilleure série québécoise, bâtard. Oui, j'ai dit bâtard parce que ça, c'est la phrase fétiche que disait l'animateur, Gérard Delaflaque. L'animateur de « Et Dieu créa la flaque » est Gérard Delaflaque, un animateur animé qui est vraiment très comique. Ouais, très comique. En plus, durant l'émission « Et Dieu créa la flaque », dans tous les épisodes, Gérard Delaflaque est en train d'inviter... Ouais, dans tous les épisodes, Gérard est en train d'inviter tous les politiciens du Canada et du Québec. Il invite... les politiciens que Gérard a invités dans la série sont Paul Martin, Jean Charest, Stephen Harper, Gilles Duceppe, Jacques Parizeau, André Boisclair, Maître Guy Bertrand, Mario Dumont, Pauline Marois, Stéphane Dion, Michael Ignatieff, Jack Layton, Nicolas Sarkozy, Régis Labeaume et Denis Coderre. Puis en plus, vous souvenez la vidéo que j'ai postée en 2020 lorsque je parlais de la série, qu'il y avait les DVD? Bon, maintenant, je vais vous montrer. Et maintenant, mes chers amis, je vais vous remontrer les DVD,
les DVD de la série. Je disais donc, les DVD de la série « Et Dieu créa la flaque ». Bon, regardez, ça c'est les DVD intégrales de la série. On a le DVD des meilleurs moments de la saison 1, l'intégrale de la saison 2 et les intégrales de la troisième saison. Bon, maintenant, là, nous parlerons là, de le DVD des meilleurs moments de la saison 1. Donc, au lieu de faire un DVD intégral de la au lieu de faire un DVD intégral de la première saison, à la place là, on a eu un DVD des meilleurs moments de la saison 1 à la place d'un DVD intégral de la première saison de la série. Non mais sérieux, Serge Chapelot, qu'est-ce qu'il a pensé? Ben moi là, ce DVD montrait toutes les meilleurs passages des épisodes de la première saison de Dieu créa la flaque. Mais surtout, je me souvenais que quand on l'ouvre, regardez bien, là on y retrouve tout le casting de Dieu créa la flaque. Ouais, tous les personnages en animation 3D. Sauf au moment, dès qu'on ouvre la petite porte devant le coffre... La boîte du DVD, quand on ouvre la petite porte, on entend une voix qui disait « Et Dieu créa la flaque, édition DVD, bâtard !» La batterie doit être morte sur cette puce électronique. Donc, maintenant, voici le DVD le coffret DVD intégral de la deuxième saison de la série. Ouais, maintenant, le DVD intégral de la deuxième saison montrait la face en gros plan de Gérard Delaflaque. Bon, et maintenant, là, voici un des coffrets de la deuxième saison. Donc, on y retrouve tous les personnages. Là, on a Gérard, Thibault, Sarah Laurie, Edmond, Henri, Pépère, Laurence, Marcel, Georgette. Et sur le derrière, on y retrouve Gérald Tremblay, Paul Martin, Jacques Parizeau, Gilles Duceppe, Stephen Harper, Jean Charest, Maître Guy Bertrand, et bien sûr, lui qui est là, c'est George W. Bush. Et maintenant, pour finir, et les voici, les DVD intégrales, les coffrets DVD intégrales de la troisième saison de « Et Dieu créa la flaque ». Ça c'est la première partie de l'intégrale saison 3, puis la deuxième partie de l'intégrale de la troisième saison. À l'époque où la série est en production, là, c'est donc bien plate là, que Serge Chapelot et Radio-Canada n'avaient même pas fait les DVD intégrales des autres saisons de la série. Si Serge Chapelot et Radio-Canada n'avaient pas fait les DVD intégrales des autres saisons, là, sinon, Et Dieu créa la flaque sera... Une série oubliée. Bon, en plus, aussi faire un DVD intégral de la première saison en DVD. Parce que, non mais sérieux, là, depuis le premier épisode de la deuxième saison, là, Pépère a raison. Il nous montre l'annonceur là, qui fait le résumé du précédent épisode que Gérard avait perdu sa maman dans le dernier épisode de la première saison. Non mais sérieux,
Pourquoi Serge Chaplot n'avait pas fait un DVD intégral de la première saison? Puisque on ne comprend rien. Bon, et maintenant, là, l'émission Et Dieu crée la flaque, ça jouait à tous les dimanches à 19h30 sur le réseau de Radio-Canada. Pendant que la série est en production, là, en 2014, la série Et Dieu crée la flaque avait eu une nouvelle série. Ici, la flaque. Ouais. Alors, le titre de la deuxième série de Les Dieux créent la flaque, ici la flaque, et en fait, que le titre fait un hommage à le slogan du canal Radio-Canada. Ici Radio-Canada. Ah, ça c'était le bon vieux temps quand... À toutes les fins des annonces, là, puis le logo de Radio-Canada, ça se dit « Ici Radio-Canada ». Puis là, après, là, tristement, là, pour la série « Et Dieu crée à la flaque », ou « Ici la flaque », en tant que le titre de la deuxième série, la série avait fini le 5 mai 2019. Alors que Serge Chaplot, le créateur, il a pris sa retraite. C'est ça. Il a pris sa retraite, le créateur. Bon. Et maintenant, là, cette vidéo est finie, là. Alors je dis bonne fête, ou plutôt bonne fête des 20 ans à l'émission Et Dieu crée la flaque, ou ici la flaque. Car je vous dis merci, au revoir, et restez à vos sièges jusqu'à la semaine prochaine.